Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter cette recette de coquilles au chocolat, aux pépites de chocolat. C'est vraiment une recette très facile à réaliser et c'est très très bon. Donc on va commencer avec les ingrédients. Donc on a ici 125 g de sucre cassonade. 125 g de sucre en poudre. On a une cuillère à café de bicarbonate de soude, une pincée de sel, un sachet de vanille. On a 125 g de pépites de chocolat. Alors vous pouvez choisir le chocolat que vous souhaitez mettre, du chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. C'est selon votre goût. Un œuf, 200 g de beurre mou, 300 g de farine. Voilà pour les ingrédients. On passe maintenant à l'étape suivante. Voilà, c'est parti pour la préparation des coquilles. On va commencer à mettre le beurre bien mou avec le sucre en poudre, le sucre cassonade. On va tout mettre. Le bicarbonate de soude, la vanille et la pincée de sel. Voilà. On va bien mélanger tout ça avec le batteur. Vous pouvez toujours utiliser un fouet manuel ou à la main aussi, ça marche très bien. Bien mélanger. Maintenant que j'ai bien mélangé, je vais rajouter l'œuf. Voilà. Je vais encore mélanger un petit peu. Maintenant, je vais ajouter les pépites de chocolat et on va laisser un petit peu pour la déco. Voilà, on va laisser un petit peu pour la déco. Donc on mélange avec une maryse et on ajoute la farine en deux fois. Comme ceci, je vais finir avec le reste de farine. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, je vais les laisser reposer un petit peu au frigo pendant à peu près une heure. Et après, on va commencer la cuisson. Voilà, je vais la filmer, je vais mettre au frais pendant une heure et on se voit tout à l'heure. Voilà, ma pâte a bien reposé. Maintenant, elle ne colle plus aux mains. Voilà, vous pouvez réaliser des petites boules comme ça. Si vous avez une cuillère à glace, c'est plus pratique. Voilà, vous faites
la taille que vous vous souhaitez. Donc j'ai commencé déjà à réaliser les formes comme ceci. Après, je vais rajouter quelques pépites pour la déco. Voilà, grossièrement, on ne fait pas des vraies boules, hein. On essaye de faire des sortes de rochers, comme ceci. Et on essaye d'espacer, bien sûr. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais décorer un petit peu avec les pépites que j'ai laissées de côté. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des noix de pécan, du chocolat blanc, du chocolat au lait. C'est vraiment une recette très très facile à réaliser, très rapide et c'est tellement bon. Voilà, comme ceci. Plus il y en a, mieux c'est. Le chocolat, c'est tellement bon. Voilà. Je pense que ça ira. Après, je vais ôter aussi du chocolat blanc. On va enfourner nos coquilles à 180 degrés pendant 8 minutes. Pas plus. Voilà, mes cookies sont prêts. Je viens de les sortir du four. Ils sont vraiment très chauds. C'est encore, quand vous touchez comme ça, c'est encore moelleux. Mais ça va pas tarder à durcir. Donc, faut pas y toucher jusqu'à que ça soit bien, bien froid. Donc voilà. Je vais finir le reste et après on se retrouve pour la dégustation. Voilà, enfin fini. J'ai fini de cuire tous mes cookies. J'ai réalisé 14 cookies. Franchement, c'est très facile à réaliser, très rapide. La cuisson aussi, 8 à 9 minutes, ça dépend de votre four. Et vous allez obtenir un cookie vraiment croustillant à l'extérieur. Voilà. Et moelleux à l'intérieur, et c'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment moelleux hein, à l'intérieur. C'est vraiment moelleux et croustillant à l'extérieur. Et c'est délicieux. Alors, je vous mets les recettes en barre d'infos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce pour m'encourager et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Merci!